Qu'est-ce que je peux dessiner avec du rouge? Et moi là, qu'est-ce que je peux dessiner avec du orange? Oh non, j'ai renversé ma limonade là! Oh mais regarde, c'est très joli! On dirait un cœur! Mmh, c'est vrai! Waouh! C'est de l'amour de fourmi! Ou peut-être de l'art de fourmi! Avec une feuille de papier, de la limonade et des colonnes de fourmis, on peut faire de l'art de fourmi. Mais pour faire un vrai bois, il faudrait des fourmis bleues. C'est vrai ça. Mais les fourmis bleues, ça n'existe pas, hein, Papy Koala? Pas ici en tout cas. Mais il existe des fourmis rouges, des fourmis jaunes et des fourmis noires. Ces fourmis. Ouh, ça, je n'en ai aucune idée. Et si on suit les fourmis, on verra bien où elles vont. Qu'est-ce qui se passe de si intéressant près du sol? On suit les fourmis. Des fourmis? Où ça? Là, elles traversent le jardin. Des fourmis noires, qu'elles sont mignonnes. Vous savez les enfants, je connais très bien mes amis les fourmis. Les fourmis sont très 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 fortes. Elles sont très organisées et s'entraident beaucoup. Elles sont des millions à vivre dans la même maison. Leur maison s'appelle une fourmilière. Comme celle-là, Papa Koala? Mais oui, voilà une fourmilière. Waouh! Il y a plein de fourmis. Des millions. Et elles font quoi là? Elles nous disent bonjour. Ouh, ça chatouille. C'est rigolo. Oh. Quand une petite fourmi noire marche sur moi, elle me chatouille et moi je ris. Ha 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 ha. Sont là,